Bonjour à tous. Vous avez l'habitude, pour ceux qui aiment bien regarder mes vidéos, les quelques-uns que vous êtes. J'étais en train de jouer avec cette guitare et j'avais réglé un son très métal. Enfin, j'ai essayé de régler un son très métal. Et ben voilà, je voulais vous faire écouter ce que ça donne. Ça sonne hyper métallique hein, dès qu'on fait des plans un peu avec des hammer pull-off. Tout de suite ça sonne hyper brillant. Je trouve que les palmutes aussi sont quand même assez démons quoi. C'est assez jouissif. Je trouve que c'est à la limite, limite jouissif quoi, c'est vraiment... Vous savez faire de l'aller-retour? L'aller-retour, il faut vraiment plaquer la main contre les cordes. Et le médiateur, au lieu de taper comme ça, vous voyez, au lieu de taper comme ça, il faut taper un peu comme ça. C'est comme ça qu'on fait l'aller-retour, mais même sur les. Même si vous faites des solos de guitare, par exemple. Oh, merde. Vous voyez, il faut pas attaquer. Enfin, vous pouvez, mais c'est hyper dur quoi. Normalement, faut essayer d'incliner un peu le médiateur. Au lieu d'attaquer comme ça, d'attaquer un peu comme ça en fait. Ça épaissit les notes en plus. Je suis froid là, je regarde du boulot, je suis assez crevé en plus.
C'est qu'un petit écho, c'est pas mal aussi. En solo, c'est moins beau que quand on met un réglage plus typé solo. Typé solo, on met. Bon, là, les basses, faut vraiment les couper. C'est pas du tout réglé pareil selon que vous faites un son lead ou un son riff. En riff, basse. Une vidéo qui sert absolument à rien, et voilà, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu le voilà le EMG 81 avec un super micro, avec un super son normalement qui sonne assez métal. Au revoir à tous.